Pierre-Charles Boudot, dans la deuxième épreuve qui servira de quinté mardi à Angers, vous allez retrouver adjutant, un adjutant avec lequel vous venez de vous imposer la dernière fois Chantilly. Pierre-Charles, vos sensations ce jour-là, il s'est imposé plaisamment. Oui, c'est vrai que les sensations étaient très bonnes. Ce jour-là, on a bénéficié d'une bonne course. Le cheval a gagné assez facilement sa deuxième épreuve. C'est un poulain, je dirais, qui progresse au fur et à mesure de ses courses. Et en cette fin d'année, il a l'air en pleine forme. C'est vrai que quand on regarde l'ensemble de son palmarès de cette saison, il ne cesse de progresser. Oui, c'est vrai qu'il progresse énormément. Il a une seule fausse note à son actif, c'est sur la PSF de Chantilly, une fois où il était un petit peu dans les chevaux. Il était encore un petit peu compliqué à cette époque-là. Maintenant, c'est un cheval qui a beaucoup mûri, qui progresse au fur et à mesure. Et la dernière fois, le style de sa victoire est vraiment convaincant. Bon, maintenant, on plus 3 kilos de pénalité. Est-ce qu'il est capable de rééditer? Oui, je pense qu'il est capable sans problème de rééditer. C'est un cheval, comme je vous l'ai dit, en grand progrès, qui, à mon avis, finira par monter les échelons l'année prochaine et certainement se situer au niveau des quintés. Donc ça veut dire qu'on est confiant pour mardi, il peut s'imposer. Oui, exactement. Il peut s'imposer, surtout qu'il découvre un très bon engagement en deuxième épreuve, en haut de tableau. Non, toutes les conditions sont réunies pour une deuxième victoire.